bande à part. Extatique. Salut Olivier Langevin. Bonjour Monsieur Lemay. On est où présentement? On est au studio Planète, au studio de Dan, le voisin de mon chum Pierre Girard, du studio à Pierre Girard. Et qu'est-ce que tu fais présentement? Je suis en train de mixer le prochain disque de Galaxy 500, en fait. Est-ce que ça va être Galaxy 500? Je le sais pas encore. Il me reste un mois pour y penser, fait que ça va se décider dans les prochaines semaines. Et pourquoi tu pourrais changer de nom? En fait, moi, c'est clair que j'appellerais ça encore Galaxy 500, mais vu les problèmes qu'on a eus avec le band de Boston, si je me souviens bien, on n'a plus le droit de s'appeler Galaxy 500. Donc, à la fin de la dernière tournée en France, on s'appelait Galaxy. Mais, tu sais, ça veut plus dire la même chose. Ça, Galaxy, je trouve, ça a plus bien de sens. C'est un poste de radio aussi, à un moment donné. Fait que je sais pas trop quoi faire avec tout ça, mais en même temps, tout le monde appelait ça Galaxy déjà. C'était le diminutif du band, fait que... Je pense à tout ça là, dans les prochains temps. Leur as-tu parlé, eux autres? Est-ce qu'ils vous ont contacté? Oui, ils nous ont contacté avec une mise en demeure. on leur a pas parlé bien. Disons que ça commençait pas bien, les négociations. Non, il n'y a pas beaucoup d'amitié entre nous. L'album devait paraître fin novembre. C'est pas le cas. Pourquoi? Question de placement, tout ça. Il y a les disques de Noël qui sortent au mois de janvier. Les majors sortent beaucoup d'affaires, puis... On veut juste tu sais, vu que souvent on est des projets qui vendent moins, fait qu'on vend beaucoup de disques au début, les fans sont là, puis je veux pas que le placement soit pas bon en magasin pour le début, tout ça, fait qu'on va mettre ça à fin janvier. On avait fait, Audiogramme avait fait ça avec Mara, puis t'as une belle couverture au mois de janvier aussi, tout ça, fait que des questions là, c'est des questions de business, là, c'est pas mon affaire. Mais dans le fond, ça vous donne plus de temps. Est-ce que tu vas ajouter des pièces? Oui, j'ai coupé des pièces, puis je vais essayer d'en faire d'autres. Sinon, ça va être les pièces qui étaient déjà là, mais je vais essayer de faire des nouvelles chansons là, d'ici le prochain mois. Là, si t'es rendu au mixage, c'est que pas mal tout est fini dans l'ensemble, ou t'as encore vraiment beaucoup de travail à faire sur ce qui aurait dû être fait? C'est pas mal fini. Il me reste des cris à taper. Il y a une chanson dans laquelle ça prendrait des cris là, de colons, fait que c'est ça que je m'en vais faire à soir probablement. Tu m'avais déjà dit dans une autre interview qu'écrire des textes de chansons, c'est pas ce que tu préférais faire. Pour ce projet-là, comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. Enfin, c'est pas ce que je préfère faire, mais j'aime ça par contre. Je travaille beaucoup, fait que c'est sûr, c'est pas mon... J'aime beaucoup mixer, en fait, la fin, tout ça. J'aime ça, le moment de studio quand on commence des chansons, monter les chansons. Mais j'aime ça aussi, écrire, c'est juste pas mon... C'est pas ça que j'aime le plus, mais j'haïs pas ça non plus. Parce que t'en as fait une très belle avec Mara Tremblay sur son dernier album. C'est toi qui l'as écrite? Oui, c'est vrai. On s'entend bien, justement, moi et Mara... pour l'écriture, puis c'est souvent elle, quand je fais mes affaires à moi, je fais beaucoup appel à Mara, là, je fais lire mes affaires, puis on travaille pas nécessairement ensemble, mais à m'aide beaucoup là, là-dedans. Le premier disque de Galaxy, c'était comme un bon coup de poing entre les deux yeux. Le deuxième était plus fluide. Il y avait même un sujet ou un thème qu'on pouvait sentir récurrent dans les chansons. Pour ce troisième-là, est-ce que c'est la même chose? J'ai l'impression que ça va être différent, mais ça. Non, je sais pas si ça va être différent, mais côté texte, il y a quand même un fil conducteur. Je pense que je suis dans le même buzz un peu, mais pas tout à fait. En fait, comme la musique, ça va être
assez différent, mais tu sens quand même le songwriter dans tout ça. Là, j'ai l'impression il y a tout se suit, mais c'est différent. Tu sais, comme entre les deux premiers disques sont quand même pas mal différents, mais tu sens quand même que il y a une histoire dans tout ça, là, tu sais. Joues-tu encore plus fort pour celui-là ou t'es plus dans la subtilité? Non, on n'est pas allé dans la dentelle. Ah non? Encore une fois, non. Qui joue avec toi sur l'album? C'est plus restreint pour ce disque-là. C'est seulement Frank Lafontaine au clavier, Pierre Fortin, Daydale au drum. Il y a Daniel Toin qui est venu faire une chanson aussi. Il y a Simon Blouin qui est venu faire un drum aussi. Mais la grosse partie du disque, la plus grande partie du disque, c'est fait moi, François Lafontaine, puis Pierre Fortin. Puis il y a Audrey Michel aussi qui fait les backs vocales. Il y a beaucoup de voix de filles sur ce disque-là. Moins de Fred Fortin. Fred, il est pas là, ce disque-là, c'est triste, hein? Mais on s'en reprendra bien. Pour cet album-là, j'ai entendu une autre interview que t'as accordée dans laquelle tu dis que t'as louvoyé un peu, t'as fait des choses, t'es revenu à l'album de Galaxy, appelons-le comme ça pour l'instant, t'es reparti, t'es revenu. Est-ce que c'est difficile de délaisser un projet puis le retrouver quelques semaines ou quelques mois plus tard? Ça peut être bon comme ça peut être pas bon. Je pense que des fois ça peut faire du bien. Comme là, on était vraiment dedans, puis j'ai l'impression de prendre un peu de recul dans les prochaines semaines, puis faire d'autres choses. Ça va peut-être justement donner les chansons que je veux composer. Mais sinon, je te dirais que ça dépend des fois. J'ai rien de pertinent à répondre là-dessus. As-tu un titre pour l'album? Non, j'ai pas pensé à ça. Tu vois, tu me fais. Fais-moi pas stresser, là. Il y a plein d'affaires, j'ai pas pensé. On va penser à d'autres choses d'abord. C'est le coup de grâce en fin de semaine. Tu vas retourner dans ta région natale là-bas. Est-ce que tu t'ennuies du Saguenay-Lac-Saint-Jean? Toujours. Ben, je m'ennuie. Ma famille est toute là, donc c'est sûr que ça me manque beaucoup. Mes sœurs sont là, les enfants de mes sœurs, mes parents. Mes chums de là-bas, il y en a beaucoup qui sont ici maintenant. Fait que, mais côté famille, je m'ennuie beaucoup. Je m'ennuie du rythme de là-bas aussi. Je m'ennuie de la nature, bien sûr, tout ça. Mais je suis bien aussi. J'aime autant les deux. Y vas-tu souvent? Dans la dernière année, vraiment pas beaucoup à cause du manque de temps. Puis ça, c'est très triste, mais je compte me reprendre pas mal au cours de l'hiver, je pense. Si tu pouvais faire là-bas, sur place, tout ce que tu fais ici, est-ce que tu serais là-bas, tu serais installé là-bas en permanence? Hey, je sais pas. Sérieusement, je pense que l'idéal, ça serait vraiment d'avoir les moyens pour... ça serait vraiment d'avoir les moyens d'avoir les deux places, d'avoir deux maisons, d'avoir le temps et l'argent pour voyager entre les deux, pour pouvoir rester des grands moments là-bas. Puis j'espère que ça va m'arriver un jour, mais en même temps... Tu sais, je suis vraiment attaché au lac, mais où est-ce que je suis rendu là maintenant, ça fait plus longtemps que j'habite à Montréal que le temps que j'ai habité au lac. Fait que je suis rendu habitué aussi. J'aime ça au bout. C'est ma vie ici aussi, mais c'est sûr que le lac, on s'en ennuie tout le temps. Là, fait que quand tu vas au lac, t'es un gars de Montréal qui vient au lac, puis quand t'es ici, t'es un gars du lac. Le sens-tu comme ça? Non, quand je vais au lac, un coup dans le parc, l'accent revient encore plus, puis je pense que je redeviens un gars du lac. Merci beaucoup, Olivier Langevin. Merci à vous. Rock on, dude.